Alors, bonjour à tous. Voilà, Baruch Communication, le PDG. Je suis là à Rabouma, une commune de Conakry, à cette date du mercredi 5 juin 2023. Voilà, je suis dans le salon qu'on appelle Salon Beauté, Solo Beauté. Voilà, eux et moi, ça fait 2 ans hein, de connaissance. Quand je suis sur Conakry, c'est ici que je viens faire des pédicules en cul. Il faut se rendre propre, ça c'est très important. Nettoyer les doigts. Et faire des pistes qu'on appelle des pédicules en outil. Ça, il faut faire envie que de faire pitié. Parce que l'hygiène aussi, c'est très important d'être propre. Voilà, éviter d'avoir des odeurs, éviter d'avoir des hommes comme des vampires, on dirait des sorciers, éviter ça. Voilà, donc ici, ils font des bonnes choses. Où est le salon? Voilà, ils font des pédicules en outil, mais en même temps, ils font aussi des grandes choses, hein. Des soins du visage, etc. Voilà, donc pour vous dire un mot, soyez propre. Ouais, soyez un peu propre. Les arguments budgétaires ne portent pas. Il faut prendre conscience que les choses changent. On est dans cette phase de transition. Et ça, je pense que c'est à peu près réglé. On est d'accord. Les gens s'en rendent compte. L'invité des locaux, présenté par Ali Benati, à regarder sur France 24 et France24.com. La classe politique, à commencer par Bourguiba, on se demandait s'il n'y avait pas une malédiction ou un fantôme qui habite dans les sous-sols du palais de Carthage, hein, qui fait que tous ceux qui y entrent perdent la tête. Salon Solo Beauté, on a pris Naoya. Thank you.